Nous avons fait contact avec Maître Rémy. Il est déjà sous l'INDA. C'est lui-même qui a assuré, bon, disons, c'est Advocatus, cabinet Advocatus, qui a assuré défense et 5 journalistes qui indexés dans rapport de CPJA à travers le bureau des affaires criminelles. C'est 5 journalistes et Ivner et alias Falap. On a parlé de Ivner Sila Fanor alias Falap. Les mêmes les cités comme monde qui a gagné de bons rapports tout, même gens avec lui, avec une série de chefs gang en dans région métropolitaine qui notamment dans coalition Monsieur Vivant Ensemble et parmi journalistes yo. Nous connaissons gagné concernant de la Voix d'Amérique. On a parlé de Matiado Vilmé, concernant gagné Mackenzie Victor, gagné plusieurs autres journalistes encore qui est cité dans le document ça. Nous pourrons parler, on va être déconnecté. Nous pourrons parler avec Maître Anel Rémy, qui semble une petite contact avec lui. On a essayé et fait contact là encore. Qui est même pour dire non, qui ça, cabinet Advocatus, capable de défendre 5 journalistes, en tant qu'entrepreneur, pour qu'on ait de qui manière, de qui manigance, non 5 journalistes à eux. Trouvé yo nan document sa ki soti bon côté DCPJ. Madame Rémy, nous content gayon matin, son plaisir bonjour. Bonjour Johnny. Bonjour Guerrier. Et m'a salué PDG Patrick Monsignac et permettre saluer tout auditeur auditrice de la télévision Caraïbes. Alors, merci pour possibilité que nous avons moyen pour porter 2-3 qualifications et dit succinctement qui ça cabinet avocat Sophie qui constitué pour défendre Ronald Sayo par l'entrepreneur. Alors rapidement m'a ouvert parenthèse ça permettre nous saluer décision qui prend pour relocaliser tribunal de paix d'Elma et n'a saluer tout juge de paix dans commune d'Elma qui était bataille qui était accompagné cadeau et qui fait que provisoirement temporairement tribunal de paix d'Elma trouvé lui dans local OPC qui bon palais municipal de Matantoua. Et n'a salué tout le monde, donc bata la pape campé et nous espérons que l'autorité concernée prend toute disposition pour permettre que 9 autres tribunal de paix qui n'a air tribunal, qui n'a air pour Prince fonctionne correctement. Alors, qui ça dossier aillé et Johnny? C'est un journaliste qui, c'est Sila Fanor, que DCPJ est interpellé. Et le mois de mars. Et maintenant, nous avons posé une question par rapport à connivence, par rapport à acquaintance. Donc, m'a attendu dans ce rapport-là, et m'a attendu, et m'a porté en lecture de ce rapport-là. Donc, nous venons que dans le palais, et journaliste, ça a dit devant un quitteur Mathieu que journaliste suscité ça, journaliste indexé ça, c'est des journalistes qui confèrent. Soit-ci qu'on parle avec Monsayo. Alors, nous comprenons bien comme avocat et toujours mettre des disciplines à la caille moins. Le travail qui peut le faire là, le travail purement statistique et technique. Parce que moi-même, qui défends le droit, moi-même, qui défends les droits fondamentaux de la personne humaine, et nous toujours dit que dit la loi en cette matière. M'attendons d'aller avec attention et analyser le pragmatique, le rationnel et le doté de logique. Pour qui ça me dit ça? Et journaliste a l'œil à interroger, il a bas information. Et le même jour, écoutez, mais qui est-ce, on a dit, mais qui est-ce qui est responsable, quoi que ce soit, en bas responsable. Cependant, le licite est un saint journaliste. Et comme moun qui vient de sortir, bon bémol, moi, j'étais content parce que, effectivement, je peux le reconnaître devant et par rapport à un message que les journalistes ont rejoint il y a proche. Le licite est un saint journaliste. Il dit, il devait préciser que moun saint n'est pas dit en anglais. Attention, parce que c'est le journaliste que nous connaissons, le journaliste que nous travaillons. Et permettez-nous de saluer tous les journalistes qui font un travail sérieux, qui respectent les questions et qui font un travail pour servir la population. Mais vous connaissez comme avocat, l'un a fait droit, nous dites-nous, par rapport à telle situation, quel comportement a adopté Johnny Guerrier. Et dans ce rapport-là,
Et l'un définit sa BCPJ, un BCPJ, son structure d'enquête, son instance d'enquête. Elle dit, dans la chaîne pénale, là, il y a tout, et DCPJ, c'est auxiliaire de la vie. Et honnêtement, permettez-moi de saluer le travail en tant que DCPJ, et vous, responsable DCPJ, qui nous trouve que l'Église lance un signal fort par rapport à gens qui sont insécuritaires dans ce cas. Cependant, je dis, écoutez, dans la rédaction de ces rapports, ne devrait-on pas faire appel à des experts, à d'autres experts, si vous permettez de dire comme ça. Mon bon exemple, Johnny. Dans le rapport, il y a des marchandises en Haïti. Elle dit comme moun, je t'en supposé, alors comme suggestion, que Bakfer peut mettre madame. Et l'on a Johnny, marchandises, c'est un nom commercial. J'ai dit soit le ministère du commerce, ou après, médias en ligne, les marchandises. Elle dit, marchandises, c'est naturel, c'est personne morale. Elle dit son nom commercial, parce que si on a regardé, elle a dit cabinet d'avocat, c'est le nom commercial, elle a dit telle entreprise, le nom commercial. Elle dit là, je pense, dans le rapport, elle a dit marchand de Haïti, représenté par telle ou telle personne. Elle dit peut-on émettre des mandats contre marchand de Haïti, ou l'un qu'on est, en dans marchand de Haïti, bien plus passé que les journalistes. Alors, c'est si, ou marchand de Haïti, comme avocat, bon, là, nous avons des interrogations pour poser, mais nous allons faire valoir. Mais Daniel, oui, mais quand même, on est responsable. J'avais dit, même gens, c'est Radio Caraïbes, il y a le devant la justice, donc c'est pas Radio Caraïbes, mais il a pas le représenté par soit avocat ou bien soit PDG. La précision qui est importante pour mettre mis, ma précision importante pour un document, certes, vous mettez des machines à Haïti, mais parallèlement, vous mettez un numéro de téléphone. Donc, probablement, le numéro de téléphone, ça est attribué à quelqu'un. Vous comprenez maintenant, est-ce que c'est nous-mêmes qui pouvons chercher ou bien des EPG, les mêmes de regarder? À qui il appartient chez ce numéro de téléphone. Et bon, excusez-moi, il y a donc pas c'est avec mes fonds, le son. Alors, ça qui est dans la belle, c'est les certitudes. Dès qu'on a une certitude, il va nous droit. Parce que bon, c'est une attitude, in dubio, coreo. C'est-à-dire qu'on comprend que l'Europe dit probablement, par exemple, ça c'est analyse journalistique là, ça c'est réflexion journalistique là. Moi-même, comme avocat, m'a dit, si il là pour la vie, comme marqué, m'a dit, ce pas devant le commissaire du gouvernement, elle m'a dit, écoutez, apparemment, comme on dit pas là, parce que les gens qui sont bon mal pour machin de faire, et puis côté non pour. Donc, de façon même, parce que, et pas devant les autorités compétentes, pas devant le parquet, nous pas le faire valoir de nous. Mais cependant, et au regard de la Constitution et de la loi, guerrier Johnny, bon problème là. Depuis institution mandée ou émettre des mandats d'amener, bon il y a une menace contre la liberté individuelle. C'est-à-dire là, ces journalistes ne pourront jamais circuler librement. Même le mandat pour qu'on émette, parce que vous n'avez pas le suggérer. Maintenant, le parquet aura à étudier ce rapport pour voir s'il y a la possibilité d'émettre des mandats d'amener. Parce que je vous dis, vous parlez tout à l'heure, DCPJ, il doit un rapport là, mais pour infraction. Et le commissaire du gouvernement, en vertu de ce que le profil de la poursuite, il va dire, écoutez, ah mon cher, enquêteur, vous faites l'analyse. Sans penser si vous qualifiez telle infraction, si vous considérez telle affirmation que DCPJ fait. Bon, là, c'est un ensemble de travail que vous faites. Mais puisque Gombe n'a son liberté individuelle, eh bien, les avocats du cabinet d'avocats de l'OFIRM vont initier une action par devant les doyens. Nous ne pouvons pas faire ça, nous avons pour ce qui nous ne sommes pas obligés de tant que vous mettez madame de nom, j'en ai. Nous ne sommes pas obligés de tant que vous arrêtez monsieur. Non? Mais puisque dans la suggestion, dans la demande que. DCPJ fait pour émettre Amnio, elle nous dit bon, gain à tête à la liberté individuelle, gain à tête au droit de la circulation, et que son action sur la forme, son habeas corpus sur la forme, en attendant que suivi fait, mais une chose est certaine, pour permettre à ces journalistes de circuler librement en attendant que le dossier fasse son chemin, nous-mêmes comme avocats, nous allons accompagner correctement par devant la juridiction des risques pour ne pas habeas corpus, et pour pouvoir permettre via le décanat, via le doyen, à journalistes de retrouver droit pour circuler librement. Oui, nous saluons le travail qu'a fait honnêtement comme avocat parce que nous avons une probité intellectuelle. Ça. Et comme ça, tout me dit dans la conférence de presse, si on connaît, m'a défendu un journaliste et puis l'enquête par nous, nous venons de connivence avec gang, m'a fait publiquement, m'a dit, je ne vous défends plus parce que la loi a une possibilité. Ça. Mais ces messieurs, ces dames que je défends, alors que le cabinet défend, que l'ensemble des avocats du cabinet avocat se défend, c'est des gens que nous connaissons qui ont fait des sacrifices énormes, qui ont travaillé. Si c'est une population, hein, quand la population information, c'est pour ce journaliste. Tout. Parce que nous nous disons, même le gain de journaliste qui a laissé telle image, ça ne va pas faire me camper parce que je suis né pour servir.
Le cabinet, c'est leur cabinet qui transfère de consultation parce que toujours vous faites pour aider ça, pas capable. Ça, je puisse bio. Ça, je prends moyen. Toujours dit, parce que nous-mêmes, comme avocats, nous pas là pour créer des votes pour nous consulter des autres, mais comme défenseurs des droits humains, comme coordonnateur général du cadre, et comme monde qui a bataille pour la préservation et le respect des droits fondamentaux, nous pensons que c'est nécessaire pour nous accompagner les journalistes. Et, ma finie pour dire, si vous me permettez, bon ensemble de efforts faits pour l'état de droit avancé en le pays. Nous pensons que c'est un bon forum qui vous a fait, pour l'autre. Parce que si, nous n'avons pas qu'à l'hypocrisie, nous n'avons pas qu'à l'hypocrisie, pour nous dire cette promotion état de droit. L'état de droit, c'est l'état soumis aux règles normatives, aux normes constitutionnelles. C'est comme ça, et mon bâtiment d'Orval, c'est qu'on définit. Mais si on dit l'état de droit, c'est le respect des normes, en aller, les conventions, les décrets lois, la constitution, il faut le respecter. M'a regardé l'information que vous faites circuler sur les sites de monde, qui impact négatif l'information. Ou à imaginer que la population, les populations tant des rapports, ça, parce qu'on a une information tellement vue, il y a un temps d'insignation que ces journalistes font partie des dents. C'est ça, oui, danger. Quand on me dit, moi, quelle est la nécessité pour la DCPJ de rendre public un tel rapport? Là où on est, que vous n'avez droit à la présomption de l'UFS. Maître Mi, non, ça est important pour me faire pour comme précision. Souris l'on responsable de DCPJ qu'on y a là, l'abdo, il n'est pas au courant de rendre public au palais. Ah, ok. C'est pas DCPJ qui rend public. Vous comprenez? Ok. C'est pas DCPJ. Mais qui aime tout poser aux questions, ça, Maître Anel Rémy, le fait que vous présentez comme un avocat qui a assuré défense et journaliste qui indexé, mais qu'on préoccupation et qu'il y a des gens qui gagnent, je vais mettre à vie au souli. Et puisque vous dites que vous défendez des journalistes, est-ce que les gens qui vous défendent là, vous êtes en mesure pour prouver effectivement aussi des journalistes? Parce que vous avez un qui a fait débat par rapport avec tout ça qu'il a dit là, c'est qui est-ce qui est journaliste, qui est-ce qui n'est pas journaliste? Est-ce que un monde qui a une page Facebook, qui a un téléphone dans mail, et qui a filmé, qui a mis des activités en direct, mais qui a posté sur la plateforme et Internet, est-ce que ça fait de lui un journaliste? Vous comprenez? Parce que l'ordre du journaliste, donc il peut-être faire référence à un bagage, un monde qui a l'école pour ça, qui a l'école pour ça, qui est dans les médias, qui reconnaît légalement, qui a fait un travail, etc. Donc qui sont dit ça? Est-ce que vous connaissez une journée, question posée maintenant, lui permettre moins de râler une nécessité qui s'allie à une structure de réglementation de la profession de journaliste? Parce que écoutez, même si on est hors des avocats, même si on est hors des comptables, là, on pensait, dans la prochaine législature, il faut qu'il y ait une proposition ou un texte de loi qui réglementait la profession de journaliste en Haïti. Parce que n'importe qui, à travers un micro, n'importe qui peut décider un jour, il prend une caméra pour téléphone et il touche mal. Il faut réglementer ça. Il faut réguler la circulation des informations en Haïti. En France, on ne peut pas le voir aujourd'hui. Non, c'est ça. Pas capable. Mais en Haïti, comme on désordre, comme l'État a régulé la protection, et à travers le principe que le journaliste c'est un quatrième pouvoir, donc ça nous concerne les autres. La même chose, c'est que il y a des efforts faits et pour éviter que le bon problème de s'accuser aux journalistes ou association. Quand on s'en avait, vous écoutez, ah mon cher, ou agir de la sorte, mais qui sanctionne à propos. Parce que si mon avocat, moi comme avocat, si vous font des ordres là, qui a pris le même barreau, il y a besoin de mettre une ligne, tel comportement disciplinaire, ou pas ce que vous avez fait. Et dans le cadre de ces journalistes, même qu'on est, dans le cadre de cette affaire, il y a des journalistes, que m'a pas cité, parce que Massado filmé, son monde qui a fait la voie d'aller. Elle dit, elle est en mesure de me prouver sa qualité. Nous gagnons un journaliste en chaîne 1, donc qui, bon PDG, qui a une bonne culture. Donc, avant de commencer, je vous dis, monsieur, faites-moi parvenir vos badges de journaliste et nous avons un document qui dit effectivement que nous appartenons à telle structure. Parce que, écoutez, là, si vous avez un jour, vous avez un moyen de venir devant le tribunal, le commissaire gouvernement, des gens qui vont le juger, il doit dire, puisque vous n'avez pas trouvé qualité, et là, vous n'avez pas trouvé qualité, vous venez sans prestation, on usurpe pas de titre. Sous point ça, je pense que l'État résout parce que ces journalistes sont en train de faire de leur mieux. Maintenant, pour me faire parvenir, ces documents relatifs, et puis pour poursuivre, pour continuer avec des marches à bien sûr pour. Et là, je pense que, dans tous les fois qu'on fait, et nous-mêmes tout, et travail à faire, tout, pas de journaliste conseil, moi, pas de journaliste, plus le conseil tout. Il est important pour ne pas laisser nous emporter par le fanatisme. Ma bon exemple, Johnny. Bon information que la question, non, comme avocat, on information non vérifiée. Et puis, il y a un journaliste qui parle même vérifié, vertical. Et puis, qui la gueule. Et puis, bonjour, est-ce qu'il dit, est-ce qu'on est réuni pour dire, pour te parler? L'histoire, dis-moi, c'est vieux pour besoin. Depuis que je viens de vieux, c'est correct. Moi-même, je t'ai conseillé les journalistes, tous les journalistes,
qui connaît que bien de bon rapport ensemble et même le gain qui pas de mauvais comportement même toujours dire que toujours prêt pour nous faire venir dire pour yo tant des conseils aimé elle dit pas faire et professeur de journalisme avec folie celle avec objectivité parce que ça aide des pays à tout c'est circuler bas de l'information qui pas fondée bas de l'information qui cadre parce que on information il y a déstabilise un pays on information non vérifiée qui est fort oui qui a fait mal à l'opération donc non c'est ça même parce que non bataille que cabine d'administration qui m'a fait pour bataille pour respect de l'ordre de pays hein. Et le dossier ça nous file très prochainement nous nous rendrons par le doyen pour une mission à BHP pour suivre ensuite, mais nous pouvons dire qu'il y a un risque de menace contre la liberté individuelle de journaliste. Donc, pour prendre telle décision de loi, puisque c'est lui qui s'est juge de la liberté individuelle. Et nous toujours dit, le cabinet toujours ouvert, la bataille pour le peuple, la bataille pour masse là, et la bataille pour sacrifier lui. Merci, Guy. Merci, Jean. Vous mettez Anel Rémy qui annonçait, c'est lui-même comme avocat qui a assuré défense journaliste Sayo qui est cité dans le document de CPJ à Paris. Yvener Silla, Fanor alias Falap, n'a parlé de Yvenson Joinville, Mathieu Deauville, mais Mackenzie Victor, Stanley Jacques, Manuel Sekounu, Machenzin, Haïti. On dit tété, oui, nous d'accord, faut que je dis ça, et ça qui a passé dans le presta là, et interpellé association journaliste, interpellé association patron média, interpellé même l'État tout, dans le niveau direction générale, communication, etc., pour garder comment on va réguler, régulariser ce qui et métier. Qui est-ce qui est journaliste, qui est-ce qui va journaliste, comment métier a de fait, comment va de fait, bien sûr, au regard de tout l'autre paramètre, qui c'est paramètre culturel, social, économique et politique. Gardez vous tout le monde, il fait le bon moteur pour nous. Qui est un démocrate, mais qui montre où l'organisation, parti politique là fort, engagement citoyen, militant, yo fort dans le parti politique là, et bien ça fait parti politique là, réalise un événement extraordinaire qui marquait l'histoire des partis politiques aux États-Unis sans doute, mais où il y a un peu de leçons qu'à tirer de lui. Mon objectif là, donc c'est partage pour moi-même personnellement, parce que ma partage avec des dirigeants politiques de partis démocrates américains, mais aussi de partis politiques à l'étranger, parce qu'il y a 96 dirigeants politiques étrangers qui ont invité dans l'événement qui aurait lié Forum international des leaders et qui permettent que nous partageons expérience de pays à pays, mais avec les États-Unis, tout pour comprendre le système parti démocrate américain, comment il fonctionne. Moi-même, le son tiré là, Danny, d'abord, c'est que on démocratie à fort lorsque le parti politique là, fort tout. C'est-à-dire qu'il y a moyen pour faire politique. Il y a une démocratie à fort, il y a un parti politique à fort lorsque les citoyens sont engagés véritablement. Parce que c'est là que le parti politique, le dirigeant politique, a cherché information pour yo porter des politiques publiques pour changer la vie citoyen yo. C'est que les citoyens yo parler avec parti yo bien des attentes et que pour qu'il ait parti yo et le parti va le transformer en politique pour que yo réponde à attentes citoyen yo. Donc c'est un événement politique majeur qui mobilisait vraiment Darab Abdo pendant période électorale ça tout l'ensemble des États-Unis et puis gagner yon au sens historique très poussé là-dedans pour qui ça parce que au moment charnière de l'histoire aux États-Unis et c'est ça m'a constater là, un témoin de l'événement, ça, c'est que pour la première fois dans l'histoire des États-Unis, où il y a une femme qui noire qui a une président. Donc, c'est la troisième femme, comme Kamala Harris, et comme monde qui est candidat à la présidence, où tu as Hillary Clinton, où tu as Géraldine Ferraro un peu plus tôt dans les années 80. Donc, ce qui fait que c'est un événement politique majeur, où quand on rentre dans un tournant politique, pour la première fois, une femme qui a une président, en plus, c'est une femme noire. Et c'est peut-être ça, le Parti démocrate américain dit, c'est l'avenir pour nous garder, nous allons tourner derrière, tu avais dit, pour pas aller voter Trump qui représentait le passé, mais Kamala qui représentait l'avenir dans tous les sens. C'est une expérience extraordinaire qui montre que nous-mêmes, nous avons plus de travail pour nous faire dans le pays d'Haïti, pour nous renforcer le parti politique. Et si on renforce, ça veut dire qu'on va renforcer la démocratie. Mais le parti politique, tout est là pour former des citoyens modèles et qui va diriger le pays. Donc, c'est ça, moi-même, comme objectif. Et finalement, on est capable de dire, les États-Unis, à travers l'événement SAIO, qui ont porté mondial, il y a 20 système de gouvernance qui est la démocratie. Et c'est ça, il y a 20 pour tout, c'est lui-même pour faire tout. Son modèle qui est basé sur le respect des droits de l'homme, son modèle qui est basé sur le service public aux citoyens, son modèle qui dit qu'il faut la transparence, ça veut dire cette accountability, rendre compte l'objet de l'État, il faut rendre compte. Donc, moi-même, après un pile de lui-même, et que ce soit au tableau, dans convention parti républicain ou démocrate, c'est même bagarre à l'entrepôt parce que c'est même tradition hein, et politique là qui permettent que vous-même, l'un pays pauvre, vous dites ok, mais ça m'ouais et comment me mettre en application pour me rendre un parti politique là plus fort, plus ancré dans la société hein, et aussi rendre la démocratie là quand même plus forte. Par rapport à ce qu'a fait en Haïti, Peterson nous a dit nous avons pile leçon pour nous apprendre et nous avons pile bagarre pour nous faire pour nous arriver à établir une démocratie qui a fonctionné vraiment. La démocratie a fonctionné sous des piliers comme la justice, sous la transparence. Les fonctionner sous des piliers qu'en cours participation, population participer, population porter l'idée,
population, il dit l'État, mais ça a besoin de l'État pour transformer demain la population en réalité pour changer la ville. Donc, pour moi, je n'ai pas cette expérience là-dedans. Troisième expérience, je suis capable de dire engagement. Engagement citoyen. Hein? Citoyen pas été en dehors de la politique pour dire, je suis intéressé dans la politique. Non, il participe. Il fait pression sur les dirigeants pour transformer la ville. Et il fait pour tout le monde bénéficier. Ce n'est pas lui-même seulement pour bénéficier comme militant politique, mais c'est tout le pays qui peut bénéficier là-dedans. Et c'est même engagement, ça, tout le monde est capable de dire, ouais, qui gagne dans le secteur économique, qui soutient l'idée démocratique dans le pays. Il fait lui parce qu'il y a des modèles qui sont bons pour la société en général. Et il peut concourir pour faire aider ça au marché, ça que nous pas gagner la caille. Clarence Renoir du Parti Uni. Information à poursuivre très rapidement sur antenne Caraïbe FM. États-Unis menacés pour continuer à prendre sanction contre ni gang à cravate, ni gang à sapatio, qui tient dans le secteur privé ou soit dans la classe politique haïtienne. Ambassadeur américain dans le pays d'Haïti, Denis Hankins, qui a réagi dans le micro-journaliste dans la deuxième ville pays à Cap Haïtien, concernant sanction américaine contre Michel Joseph Martelly, déclaré ancien président haïtien, c'est yon bandit à cravate qui fait un pile tort avec pays dans faciliter trafic drogue avec financement bandi avec zamio. Pourquoi il est là? Gouvernement américain dit la travail avec gouvernement haïtien pour identifier tout l'autre monde qui n'a une façon gagne l'autre à travailler pour déstabiliser pays a. Toujours c'est une quoi diplomate américain qui t'a intervenu dans micro journaliste dans la ville capaïtien à faciliter le trafic de drogue. En 2020, président Biden a fait une déclaration présidentielle qui a donné permission d'imposer les sanctions des États-Unis contre les gens qui sont engagés dans le trafic de drogue. Nous savons depuis longtemps, nous avons travaillé avec plusieurs gouvernements haïtiens pour contrôler le trafic de drogue parce que ça, c'est un impact direct en rôle de financement des gangs. Et même nous avons vu que l'ancien président a aidé plusieurs gangs. Alors maintenant, c'est le moment que nous avons trouvé assez des informations au sein du gouvernement pour prendre cette décision. Nous savons que le Canada a fait des sanctions avant et il y a des autres qui doivent faire leur décision au niveau de l'ONU. Mais pour nous, c'était important parce que, bon, si je peux passer en créole, nous, gouvernement états-unien, gouvernement haïtien, du besoin de frapper criminel à cravate, même gens à criminel à exam. C'est important que, et même aujourd'hui, le secrétaire d'État a dit que n'importe quel rang, quelle position, c'est important que les élites qui font des efforts pour déstabiliser Haïti, pour compliquer la vie des Haïtiens, doivent être traités dans le même sens. Donc, il veut faire engager dans le trafic de drogue et il a aidé les gangs criminels en Haïti. Dans ce sens, c'est limiter les sanctions. Les sanctions, c'est économique contre lui pour le moment. Mais ça, c'était notre détermination. Et il y a des autres et on continue de travailler de notre propre ressource, mais aussi avec le gouvernement Haïti, de voir s'il y a des autres élites, soit en Haïti, soit aux États-Unis, qui font des efforts pour déstabiliser votre pays. J'ai vu depuis le commencement de ce gouvernement, ils sont assez pragmatiques. Ils savent qu'il n'y a que 18 mois maintenant de compléter le mandat. Et je sais que les premières instructions du premier ministre au ministre était de penser en termes de possibilités, en stratégie de 3-5 mois, qu'est-ce qu'on peut faire immédiatement pour montrer aux populations qu'il y a quelque chose de différent. Pendant 18 mois, peut-être un changement de politique, mais c'était de voir, bon, il n'y a pas de temps de construire des universités, de construire les aéroports, mais c'est bien limité. Et au même temps, j'ai vu avec le conseil présidentiel de transition, avec le dialogue national qui veut lancer, c'était vraiment dans l'idée, et c'est les mots du président du conseil, de reconstruire le contrat social entre la population et le gouvernement. Il y a beaucoup d'efforts pour voir des élections au commencement de 2026, mais nous savons que la dernière fois que les Haïtiens ont eu des élections, c'était moins que 20% de la population qui a voté, qui implique que pour plusieurs Haïtiens, il n'y a pas une connexion entre eux et le gouvernement. Alors c'est pour aider ce gouvernement de transition, qui je pense a les mêmes priorités que j'ai citées. Alors c'est sécurité, c'est changement politique et développement pour créer les options économiques. Alors de faire quelque chose de concret, puisque la population peut avoir plus confiance dans le gouvernement, que la prochaine fois qu'il y a des élections, il y aura une beaucoup plus grande participation et que l'éventuel gouvernement élu avoir le sentiment d'une grande partie de la population. Parce que s'il n'y a pas un engagement de la population dans la démocratie, c'est difficile d'avancer en termes démocratiques. Mm-hmm. S'il fut un temps, il y avait un consulat américain ici au Cap-Haïtien, même s'il y avait également un consulat français. Et quand est-ce qu'on peut revenir avec ce consulat? Là, d'autant plus qu'ici, il y a quand même
la paix, je dirais, ouais, dans cette zone. Mon collègue sera fâché avec vous. Bon, mais bon, quand vous avez dit... Ouais. Mais pour répondre à la question, alors, ça prend du temps et de plus en plus, il y a moins de consulats américains internationaux. Mais même aujourd'hui, nous sommes dans ce centre parce que ça sera un centre américain pour avoir plus d'engagement. On a déjà, il y a déjà les bureaux de CDC ici pour aider. Je sais qu'USAID, ils sont intéressés d'avoir des bureaux ici, d'avoir plus de présence ici. Nous travaillons beaucoup avec les autorités de cette région et c'est assez proche de Port-au-Prince. Lisement, maintenant, il faut prendre des avions qui s'est